Service après-vente Delibraire. Service après-vente Delibraire, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez des BD de science-fiction? Oui, est-ce que vous voulez avec des vaisseaux dans l'espace? Non, pas ça. Avec des robots dinosaures pompiers? Non plus. Qu'est-ce que vous voulez alors? Ah, une BD où les Belges gagnent la Coupe du Monde. Ça, vous n'aurez jamais ça, monsieur. Au revoir. Service après-vente des libraires, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez le dernier Corto Maltese? Oui, tout à fait. Je vous en mets un de côté? Non. Service après-vente des libraires, bonjour. Bonjour. Je me sens seul. Ah bon? Il n'y a personne chez vous? Il n'y a pas de clients? Non, il y en a plein, mais ils sont tous fans de Batman. Je comprends. Ça ne doit pas être évident. En fait, ce que vous cherchez, c'est quelqu'un à qui parler. Mais voilà, c'est tout à fait ça. Écoutez, je vais vous donner un conseil. Vous formez le premier numéro qui vous vient à l'esprit et vous verrez bien sur qui vous tombez. Bah, ça me semble une bonne idée. J'essaye, merci. Au revoir. Service après-vente des libraires, bonjour. Quelqu'un à qui parler est au départ un roman de Cyril Mazzarotto. Un roman tendre, humoristique, rempli de bons sentiments, sans tomber dans la facilité. Et c'est ce qui a plu à Grégory Panazione, à qui l'on doit le merveilleux Un océan d'amour. Conquis par le roman, Panazione adopte seul et avec brio quelqu'un à qui parler. Samuel Broye du Noir. Il a été largué par sa fiancée il y a 8 ans déjà. Il a un travail qui ne le passionne pas et se morfond un peu plus chaque jour dans un petit appartement. Seul chez lui, le soir de son anniversaire, il va appeler le seul numéro qu'il connaît par cœur, celui de son enfance. À sa grande surprise, quelqu'un décroche, c'est lui, mais à l'âge de 10 ans. Commence alors une conversation entre ces deux personnages, qui n'en sont qu'un, à une époque différente. Avec des dialogues drôles, touchants, des rêves jamais réalisés, des regrets devenus remords et de l'espoir qui n'est jamais loin. Quelqu'un à qui parler nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer et se reprendre en main. Un conte pas si fantastique donc, et qui fait du bien. Édité par Le Lombard et dispo chez Mission BD. Service après-vente des libraires, bonjour. Dis-moi, on ne voit plus à nos séances de dédicaces? Non, pour l'instant, je fais une petite pause, là. Au fait, tu as le collector de Goldorak? Oui, nous l'avons reçu, oui. Il est bien, hein, Goldorak? Oui. Il a un gros fulgure au poing, hein? Ça, je vous laisserai juger par vous-même. C'est fulgurant. Oui. Et c'est même pointu. Oui, bonne lecture, monsieur.